Et je termine avec Anchor, qui est notre mélange du coup de l'ancrage dans le kit yoga. Okay, donc qu'est-ce qu'on a dans Anchor? Qu'est-ce qu'on retrouve comme huile essentielle? On retrouve de la lavande, du bois de cèdre, de l'encens, de la cannelle, du bois de santal, du poivre noir et du patchouli dans une base d'huile de coco fractionnée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller appliquer directement pendant votre pratique de yoga sur la plante des pieds, etc. Pas de problème. Il y a déjà de l'huile de coco fractionnée dedans. Donc vous pouvez appliquer sur les chevilles, le bas de la colonne vertébrale, la plante des pieds pour vraiment, voilà, doTERRA, ils nous disent favoriser ce sentiment de plénitude, de calme. Ils nous donnent d'ailleurs des conseils aussi de posture, d'asana, avec lesquels Anchor va bien, donc la méditation assise, la torsion assise, donc voilà, torsion assise, et la posture de Bhumudra. Bhumudra, c'est une main sur le cœur et l'autre sur la terre. Vraiment pour venir sentir cet ancrage, on parle vraiment d'ancrage, hein, avec Anchor. Dans un bain avec du sel d'Epsom, ça va être très bien aussi. Vous pouvez diffuser avec balance, ancrage plus ancrage, diffuser ça avec balance, faire un spray calmant avec Anchor et mélanger avec le mélange Align, j'avais lu ça, je trouve ça intéressant, mélanger avec le mélange Align pour faire un massage de la main. Et juste inhaler des mains aussi, hein, une petite goutte. Inhaler des mains avant ma posture, avant ma séance de yoga, si vous voulez faire quelque chose, voilà, pour revenir à la terre, si les pensées elles sont très en haut, là, qu'il y a des ruminations, allez chercher Anchor, ça va vraiment vous soutenir. Qu'est-ce que ça nous dit en émotionnel? Ok, donc l'huile de la stabilité. Anchor offre une ancre aux individus lorsqu'ils expérimentent un bouleversement ou de l'instabilité dans leur vie extérieure ou intérieure. Ces arômes calmes, présents et réconfortants sont comme un bras énergétique sur lequel s'appuyer. Ah, c'est magnifique ça. J'adore cette image, je la réutiliserai. Le bras énergétique sur lequel s'appuyer. Donc quand vous sentez, voilà, qu'il y a des grandes transitions ou juste des grands bouleversements dans votre vie, puis vous ne sentez peut-être pas assez de soutien ou autant de soutien que vous aimeriez, vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette huile. Vraiment venir utiliser cette huile. Elle rappelle que la séparation, l'incertitude et la dissimulation sont des symptômes de peur et non des solutions. Anchor encourage les individus à s'engager sur le chemin qui les attend avec clarté et courage et offre l'assurance qu'il sera là, gardant l'espace aussi longtemps qu'il le faudra. Ouais. Donc c'est vraiment une huile qui est là de façon inconditionnelle. On a tous et toutes besoin de quelqu'un qui est là de façon inconditionnelle dans nos vies. Parfois on l'a pas. Et parfois on ne se sent pas la force non plus d'être cette personne pour nous-mêmes. Et donc là, ça peut être une telle ressource à se mélanger Anchor dans ces moments-là. Donc ça nous emmène de l'instabilité, le bouleversement, l'incertitude, peut-être même qui nous fait aller dans une forme de figement, qui nous dissocie, à une stabilité, un calme, une présence, quelque chose vraiment d'encourageant, de clair, de courageux. C'est à ça que ça vient nous connecter, à ça en nous, à ce courage. Voilà.